Richard Trivino. Bonsoir Richard. Bonsoir. Alors justement Richard, ce soir une victoire vue par un ancien Guignolais. Alors on va parler d'abord de cette équipe de Créteil puisque en première mi-temps ça a été match, on va dire, match nul, 0-0 et ensuite Première mi-temps, ouais, on a du mal à se mettre dedans. Guignon nous a posé un peu des problèmes en allongeant, en balançant sur Vérel. Voilà, on a fait, je pense, la plus mauvaise première mi-temps, la plus mauvaise mi-temps de notre saison, et je pense que la deuxième, on a fait la meilleure. Donc voilà. Maintenant, je pense, Richard, une pensée pour eux, puisque vous êtes toujours quatrième, puisque Troyes, avec sa victoire, devient leader. Donc, on garde les positions. Vous avez un match en retard. Donc, maintenant, l'objectif pour vous, certainement, la montée, Richard. À toute manière, on s'est jamais caché. À partir du moment où, à la trêve, on est proche de la troisième place, c'est sûr qu'on s'est jamais caché. Notre objectif, c'est d'être dans les trois premiers. Maintenant, là, on vient de faire notre deuxième déplacement d'affilée. On reçoit Troyes et on se redéplace deux fois à Beauvais et à Évian. Donc, on fera le compte après le match d'Évian. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'il nous fallait à tout prix cette victoire et c'est très bien comme ça. Alors maintenant, l'ancien Guignolais que tu étais, un mot sur cette équipe que tu as jouée ce soir. C'est difficile de juger quand on est en face. Je vis pas avec le groupe tous les jours. C'est vrai que la première mi-temps nous ont posé des problèmes. Après, je sais pas si c'est nous qui avons augmenté notre niveau de jeu ou si c'est eux qui ont baissé physiquement, je sais pas. Mais c'est vrai que voilà, c'est des saisons compliquées. J'en ai connu. Le maintien est très loin, mais en même temps, je pense qu'il y a des possibilités pour sauver. Les équipes derrière sont quand même plus faibles que le FC Guignan. Après, malheureusement, la saison est longue et dans ces moments-là, quand on a que 28 points, je crois, c'est encore plus long. Donc, je leur souhaite bien sûr de sauver. Alors Richard, justement, il y a longtemps que tu n'avais pas joué à Jean-Laiville, ça marque ? Ouais, ça fait un petit moment, c'est vrai qu'à Boulogne, je n'avais pas joué, l'an dernier j'étais suspendu, ça fait toujours plaisir de revenir ici, hein. Je reviens chez moi, pour moi c'est pas un match à l'extérieur, je joue encore un match à domicile, mais voilà, c'est clair, ça fait le plaisir, je vois ma famille, je vois mes amis, et en plus quand il y a trois points comme ça, c'est encore mieux. Merci Richard Trivino, on vous souhaite une bonne fin de championnat.